bientôt à son terme. Donc nous terminerons par l'atelier percussion. Thank you.
insectes de la Guadeloupe. Vous entendez? Thank you.
remerciements que je ferai aux adultes qui nous ont aidés, soutenus, etc., je voudrais d'abord remercier les 90 élèves du collège qui se sont investis dans ce spectacle, qui m'ont ému pratiquement aux larmes. Alors, je ne suis pas leur maman, donc je ne sais pas ce que ça aurait été. Vraiment, je les félicite du fond du cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le travail et la persévérance étaient là ce soir, le résultat était là. Nous sommes extrêmement fiers de ces élèves. Je tiens à remercier Monsieur le Principal qui nous soutient de façon inconditionnelle dans ce projet. Je tiens à remercier également la MJC qui nous accueille ce soir. Merci encore à Monsieur Rich et Monsieur Dallangeville. Merci. D'habitude, je ne parle pas. Je gronde, je fais faire des choses aux élèves, mais je ne parle pas. Mais cette année, j'ai décidé de parler un peu. Vous savez, je leur apprends un peu les pratiques artistiques avec la complicité, bien sûr, technique de Madame Biomar, avec l'encadrement de tout lycée, mais aussi, j'apprends, il arrive que j'apprenne des choses des enfants eux-mêmes et des élèves. Et cette année, j'ai appris beaucoup de choses dans les yeux d'un jeune homme, du courage. Je vais le nommer Luc Edmond. Je vous assure qu'il sert d'exemple à tous ceux qui ne veulent rien faire. Les jeunes, on passe toujours, on est toujours passé. Avant d'avoir 50 ans, on a eu des 17 et 14, hein, pour tout le monde, je sais quoi, non. Mais qu'ils fassent quelque chose, qu'ils profitent de la vie le plus possible, et qu'ils bougent au moins. Et Luc Edmond est un exemple, est une leçon pour nous tous par son courage. Mettez la lumière, mettez. Merci Luc. Donc, bien entendu, on a eu une petite pensée pour Luc Edmond ce soir. On est ravis qu'il soit parmi nous. Il s'est investi le plus qu'il a pu dans les activités du spectacle. Il est venu à l'ensemble instrumental, il est venu à la percussion. Et je suis vraiment très heureuse qu'il soit là ce soir.